Percy, il n'y a plus un seul drapeau dans ton wagon de livraison. Plus un seul? Mais je ne peux pas danser la pop du piston au défilé sans drapeau. On l'a peut-être perdu sur le chemin. Il faut juste qu'on refasse la tournée de Percy à l'envers. Il doit bien être quelque part. Alors je viens avec vous. Moi je file à la parade pour vous garder une bonne place. À tout à l'heure. Génial, c'est parti. A demandé à tous ceux que tu as rencontrés sur la route de ta tournée. Alors il ne peut être que par ici. Cherchons un peu. Faites tchou si vous voyez de l'orange. Rien par ici. Et rien ici non plus. Tu l'as trouvé, Percy? Désolée, je croyais l'avoir vu, mais c'était juste la carrosserie de Nia. Où peut-il bien être? Je l'ai trouvé! Je vais la voir. Diesel, attends! Reviens! Il ne nous entend plus! Il faut qu'on le rattrape, il a mon drapeau! Hein? Attends! Diesel! Oh, on veut faire la course? Vous ne m'attraperez jamais! Wouhou! Oh non! Il pense qu'on veut jouer à trap-train! Attends, Diesel, tu n'as pas compris! Diesel se dirige vers le tunnel. Où est donc passé Diesel? Regardez, il est là-bas. Ils sont forts. Il est fort, mais on est meilleur. Jamais. Et voilà, impossible de m'attraper. Il est de ce côté. Suivez ce drapeau. Hey, où allez-vous comme ça? J'ai gagné alors. On était à la poursuite d'un arc-en-ciel. Oui, mais à chaque fois qu'on s'approchait, il se sauvait. Attendez, est-ce que cet arc-en-ciel avait du rouge, de l'orange, du jaune, du vert, du bleu, de l'indigo et du violet comme couleur? Oui. Tu l'as vu quelque part? Disons que vous en êtes plus proche que vous croyez. Oh, il est là! Venez, allons découvrir ce qui se cache au pied de l'arc-en-ciel. Que peut-il y avoir au pied de l'arc-en-ciel? C'est peut-être un énorme colis de sifflets. Hé, attendez-moi! Wouhou! Rien ne pourra nous arrêter maintenant! Waouh! Je n'avais jamais vu cette montagne jusqu'à aujourd'hui. Oui. Je vois bien l'arc-en-ciel au sommet, mais je ne vois pas comment y monter. Ces voies font seulement le tour de la montagne, mais ne montent pas. Oh, c'est sans espoir. Sans une voie ferrée pour monter, on n'atteindra jamais l'arc-en-ciel. C'est impossible. Qu'est-ce qui est impossible? On essaie d'attraper l'arc-en-ciel qui est là-haut. Génial. On pourrait peut-être emprunter ces voies derrière les buissons. Tu as trouvé l'entrée secrète? C'est vrai? Je veux dire, bien sûr. Mais comment va-t-on les atteindre? Les rails sont cassés. Pas de soucis, la voie pour l'arc-en-ciel sera bientôt ouverte. Pas de stress, Sandy et Carly règlent vos problèmes en vitesse. Un clac-clac par ici, un clic-clic par là, là un clic-là, un peu partout des clic-clacs. Vite! L'arc-en-ciel va disparaître! Clac-clac-clac, un peu partout des clac. Voici notre nouvel embranchement signé Sandy et Carly. Oui!
jamais arrivé sans vous. Attention tous les trains, à toute vapeur. Partons au pied de l'arc-en-ciel. Hey, il y a sûrement de la magie. Partons au pied de cet arc-en-ciel. Tu en seras ébloui. Hey, c'est juste devant. On est si impatients. Au pied de l'arc-en-ciel et de toutes ces qu'on doit chercher. Oh, oui, c'est vrai. Carly, Sandy, avez-vous vu Gordon? Oui, il y a un petit moment, quand il est venu déposer cet holondilé. Il devait livrer des instruments de musique à la ville des vicaires pour un concert. Oui, mais il n'est jamais venu. Peut-être qu'il est au dépôt du courrier. Il a dit qu'il devait s'y arrêter après avoir déposé les tôles. Allez, on va vous aider à le chercher, car le spectacle doit continuer. Oh, c'est vrai, tout le monde le dit. C'était quoi ce bruit? On aurait dit de la musique. Oh oui, c'est vrai. On entend de la musique partout aujourd'hui. Excepté sur la scène du concert. Gordon a tous les instruments et il est introuvable. Je l'ai croisé vers le pont-levis en revenant ici. Alors, on y va! Oui, parce que... le spectacle doit continuer! Comment as-tu deviné que j'allais dire ça? Une petite intuition. Allez, si on ne trouve pas Gordon très vite, il n'y aura de concert pour personne. C'est parti! À toute vapeur! On aurait déjà dû trouver Gordon. N'abandonne pas déjà! Oui, car ma cloche porte-bonheur nous accompagne. Et comme toujours... la chance sera avec nous et on trouvera Gordon. Merci. Est-ce que c'est toi? Ça, c'est la voix de Gordon. Oui, c'est bien Gordon. Je vous avais dit que ma cloche est efficace. Oh. Gordon! Que se passe-t-il? Le levier qui fait baisser le pont est bloqué. Alors je suis coincé aussi, du coup. Si on ne peut pas faire passer les instruments de ce côté, il n'y aura pas de concert aujourd'hui. On va y arriver. Le spectacle doit continuer. Carly, peux-tu accrocher le pont-levis? Un jeu de wagonnet. Très bien. Maintenant, tire! Mais le pont est beaucoup trop lourd. On devrait essayer de tirer tous ensemble. Allez, tout le monde! Vous avez réussi. Oui. Bien joué, les petits amis. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois être à la ville des vicaires avant le début du concert. La, 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 la. Mon plan est ruiné. Maintenant, je ne pourrai plus porter Baudruche à la parade. Regarde! Elle revient par là! J'y suis presque! C'est trop haut! Même ma vapeur la pousse encore plus loin. Attends une seconde! Maintenant, elle est encore un peu plus loin. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser notre vapeur pour pousser ce ballon où on le désire. Mais même si on le pousse jusqu'à la ville, on ne l'attrapera jamais à cette hauteur. Alors c'est là qu'on improvise. Qu'on improvise? Oui, tu sais, inventer au fur et à mesure. Bon, c'est d'accord, on improvise. Et si on pousse Baudruche vers la montagne Mirador, on pourra l'attraper par en haut? Mais avec quoi va-t-on l'accrocher au passage, Nia? Sandy et Carly ont des crochets. Oui, je vais les chercher. On vous retrouve le plus vite possible au sommet de la montagne Mirador. Merci, Kana. Viens vite,
Thomas, on va passer par là. Un petit nuage par-ci. Et un petit nuage par là. Hé, hey, regarde, Carly et Sandy sont là-haut avec Kana. On est là. Coucou. Salut, en bas. On y est. Donnons un dernier élan à Baudruche. 3, 2, 1... Décollage. Allez, viens. Elle monte plus haut que prévu. Pas de soucis. Je m'en occupe. Avec beaucoup de virages. Ce ne serait pas ces rails qui ont l'air d'aller dans tous les sens? Oh oh! Des rails qui vont dans tous les sens? Tu ne crois pas qu'on aura du mal à les suivre avec notre cargaison super lourde? Ce sera facile comme tout si on travaille ensemble. C'était un peu chaotique, non? Oui, heureusement que notre équipe va doucement. Hé, hey, Percy! Je veux jouer avec vous! Mes yeux voient. Wow, 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 wow. Oui. Oui. Waouh, ces rails étaient vraiment chouchou trop génial. Et tu avais raison, c'est facile comme tout quand on y va ensemble et tranquillement. Wow, wow, wow. Va moins vite! Ils ne nous entendent pas! C'est à toi que je parle! Oh! Nom d'un vieux rail rouillé! Ah! Avancez! Il s'en est fallu de peu! Oui! Et finalement, on s'est bien amusé, non? Mais on devrait faire plus attention si on veut livrer ces maisons en un seul morceau. Oui, tu as raison. J'ai un peu trop pensé à Percy et à notre jeu. Mes yeux voient... Mais on pourrait le rattraper en passant par ce tunnel. Allons-y. Je ne comprends pas trop où est le problème. Pourquoi on ne pourrait pas jouer aussi à mes yeux voient? Attends, je commence. Mes yeux voient... quelque chose... de blanc et noir. Est-ce que c'est... oh, cette moufette? Une moufette? Quelle horrible odeur! Pour une toute petite moufette! Mais tu devrais voir ta tête maintenant. Ma tête? Toi, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Repartons, on a encore le temps de rattraper Percy. Wow, la vieille mine est bien plus vieille et mineuse que je l'avais imaginée. Et obscure. Et effrayante. Oh, c'est vrai, j'ai la cloche porte-bonheur de Percy. Avec cette cloche à mes côtés, rien ne peut m'arriver. Alors c'est parti! Ah! 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 Ah!
enfin. Ouf. Voilà le quai. J'ai réussi. Il n'y a peut-être pas de fond. J'ai réussi, j'ai traversé la mine. Et tout ça grâce à la cloche porte-bonheur de Percy. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-bonheur. Je n'aurai plus de frayeur quand les choses peuvent dérailler. Parce que j'ai ce porte-bonheur qui est à mes côtés. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-bonheur. Des grottes hantées ou des rails cassés, cette cloche a un vrai don. Elle est toujours prête à me sauver, à me servir de wagon. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-bonheur. C'est Percy qui me l'a donné, c'est vraiment mon ami. J'en prendrai soin, oui c'est juré, je le ferai, c'est promis. Je n'aurai plus jamais peur grâce à la cloche porte-pop. Oh oh. Ouf. Oh non, la cloche de Percy. Oh, j'avais fait une promesse de Thomas à Percy, je devais prendre soin de sa cloche. Oh, j'ai échoué. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais juste dire la vérité à Percy et je suis sûre que tout se passera très bien. Oh, j'espère que ma chance n'est pas en train de tourner. Oh. Doucement, Mérou! Doucement! Oh. C'est fini, la chance est partie. Sans le porte-bonheur de Percy. Ce dragon sera à moi! Que nenni! Il est à moi, chevalier! Oh. Le chevalier vert est prêt à livrer bataille! Je te tiens! Non, je ne te tiens pas! Le chevalier noir est invisible derrière son rideau de fumée! Mon joie! Je vais t'attraper, chevalier bleu! Hein? Je les ai semés! Dragon repéré! Je dois trouver un moyen de... Oh, de m'enfuir! Hey, joli! Wow. Wow, une guirlande! Le chevalier bleu n'a pas lâché son dragon! On te tient! Hé! Hey, mais où est le dragon? Il s'est enfui! Oh non! Où est-il passé? Oh, ouf! Il s'est arrêté au sommet de la colline! Le premier qui le capture est un noble chevalier! Je serai le plus noble de tous les chevaliers, vous allez Attendez, voir! Attendez! Non! Le mérite doit me revenir à moi! Le moment ou jamais de capturer le dragon une fois pour toutes. Je t'accompagne. Non, c'est mon travail. Reviens, dragon. Oh, le dragon va nous échapper. Oh. Oh non, il va heurter ce train. Chevalier orange à la rescousse. Bonjour, James. Cliquetis.
Oups, j'ai recommencé. Bonjour, Émilie. Diesel, tes conduites font énormément de bruit. Clic-clic-clac. Qu'est-ce que tu dis? Je n'entends rien avec ces conduites qui s'entrechoquent. J'ai dit, tes conduites font énormes... Quoi? Il faut que je m'éloigne de ce bruit. Oh, tu veux faire la course? C'est parti! Non, je ne veux pas faire la course. J'essaie juste d'arriver à destination en silence. Tu ne te débarrasseras pas de moi, Thomas. Ça, c'est ce qu'on va voir. Hé, hey, mais où vas-tu? Au port de Brendam. Mais en silence. Oh, tout est calme et tellement paisible. Et tellement chaotique. D'un train. Et vous, qui êtes-vous? Elles dorment encore. Wow! Si tous ces bruits ne les a pas réveillées, rien ne les réveillera. Oh, c'est l'heure du déjeuner. J'aimerais bien une bonne tasse de thé. J'ai parlé trop vite. Je dois les mettre à l'abri de la pluie. Ah, voilà un tunnel. Génial. Bon, au moins ici, on est au sec et au calme. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Non! Chut. Chut, 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 chut. Comment signaler ma présence sans faire mon bip? Oh, la lumière! La lumière, c'est silencieux! Bonjour, Percy! Bonjour, Thomas! Pourquoi est-ce qu'on chuchote? J'emmène Annie et Clarabelle au port pendant qu'elles dorment. Cool! Comment ça se passe? C'est plus difficile que je le croyais. Peut-être que je pourrais t'aider avec ma cloche porte-bonheur. Absolument! Mais n'oublie pas, nous devons rester super ultra silencieux. Je serai encore plus discret qu'une souris! Oh, petite souris! Des trains que je ne connais pas. Je suis Sandy. En quoi puis-je vous aider? Psst, c'est nous, Thomas et Percy. On est agents secrets. Chouette, beau déguisement. Merci. On se demandait si tu avais des gadgets sympas pour se faufiler dans le noir. Y'a qu'à demander. Chut, 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 chut. On est en mission top secrète. Oh, d'accord. Suivez-moi. Un petit boulon à gauche. Non, plutôt à droite. Voilà, c'est parfait. Ta-da! Maintenant, vous pouvez envoyer des messages secrets en couleur. Essayez. Traduction. Attention, dinosaures sur les voies. Des signaux de fumée colorés. Je vous ai aussi accroché un réservoir d'huile super glissante, au cas où vous devriez vous sauver en urgence. Oh. Oui! Vous voyez? Génial! Maintenant, le plus super secret de tous les gadgets que j'ai. Oh? Qu'est-ce que c'est? Il est tellement super secret que je n'en sais rien. Carly m'a dit que c'était seulement pour un cas d'extrême urgence. Merci, Sandy. Maintenant, on est prêt à tout affronter. Oui, je n'ai plus aussi peur et j'ai hâte de remplir cette mission. Prêt, agent 006? Fin prêt, agent numéro 1. Merci d'avoir demandé les super méga géniaux services de gadgets secrets de Sandy. Allez, éteignons nos lumières et on va voir si on passe la grande gare sans être remarqué. Éteindre nos lumières? D'accord. Oh! Soyons très discrets. Oh!
C'est vraiment amusant, Tom. Je veux dire agent numéro 1. Très amusant, agent 006. Oh, tu es sûr qu'on ne devrait pas garder nos déguisements, Thomas? Personne ne peut nous voir dans le noir. Oh, c'est vrai, le noir. Thomas, c'est quoi ce bruit? Ce n'est pas quelque chose d'inquiétant, Percy. Regarde. C'est juste une vieille girouette qui grince. Oh, dans le noir, les agents secrets ne sont pas seulement invisibles, ils deviennent aussi très silencieux. On va tester en se faufilant à roue de loup à travers la ferme sans réveiller les animaux. Suis-moi. Aucune chance que Thomas gagne cette course. Hein? Oh! Non, je ne suis pas sur la bonne voie. Thomas, attrape! Merci les amis. Prochain arrêt chez Whiff. Attention, à fond les wagons. Fonce, Thomas. Ne vends pas la peau de l'ours. Diesel est revenu dans la course. Je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais passer devant toi. Voilà qui devrait le ralentir. Oh. On se retrouve à l'arrivée. Oh. Oh. Je vais siffler et faire tchou-tchou. Et je vais te rattraper. C'était difficile. Oh non. C'est prêt. Oh! Percy, baisse-toi. Oh! Pas de panique, Thomas. J'ai dévié les voies pour arrêter tes wagons fugueurs. Carly, ils sont hors d'usage. Regarde. Oups. Moi aussi, je vais être hors d'usage. Oh non! Quel plongeon dans la boue. Attends, je vais te remettre sur les voies. Oh, à quoi bon? Diesel a pris tellement d'avance que je ne gagnerai jamais la course. Je ne suis peut-être pas un vrai numéro 1 après tout. Pour moi, tu es toujours le numéro 1. Tu n'as pas besoin de gagner une course pour être une bonne locomotive, Thomas. Et tu as promis à Gordon de faire sa livraison quoi qu'il arrive. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai fait une promesse et je la tiendrai. Parole de Thomas. Je vais siffler et faire tchou-tchou. J'ai promis d'être au rendez-vous. On va siffler et faire tchou-tchou. On poussera jusqu'au bout.